It is time we told it ourselves. With hammer and axe, we cleanse the world from the shadow of the ring and its master. Yet we dwarves celebrate as a scattered people, cut off from our one true home. Across Middle-earth, we mine and sculpt, delving for riches, yet the greatest treasure remains out of our reach. Moria. Durin built it before the first sun rose. And through the ages, when darkness threatened our great kingdom, he awoke to lead us again. Until the Balrog took it all away. That was 1,000 years ago. And Durin the Deathless has not returned. Some say, be patient. I say, we wait no longer. It is time to journey from every mountain. Come, rally together. Bring your axes and tools, craft and courage. It is time we dwarves return to Moria. Salut à tous mes petits poulpes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo découverte sur The Lord of the Ring, Return to Moria, avec mon accent anglais incroyable. Ouais, je sais, mon accent est incroyable. Bref, du coup, on se retrouve pour une petite découverte, ou plutôt post-découverte pour ma part, puisque je connais déjà le jeu, j'y ai déjà joué, et l'ayant apprécié, je me suis dit que ça pourrait éventuellement être réciproque, car c'est un type de jeu que j'ai l'habitude de vous présenter sur YouTube et Twitch. C'est un type de jeu que j'ai l'habitude de jouer. C'est un jeu d'aventure et de survie. Alors, spoiler alerte, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas le jeu de l'année, c'est juste un petit jeu de détente. Donc ne vous attendez pas à quelque chose d'énorme, extraordinaire. C'est juste un petit jeu d'aventure et de survie dans l'univers de Seigneur des Anneaux. Vous en avez peut-être déjà entendu parler puisqu'il est déjà sorti depuis un petit moment. Et d'ailleurs, cette vidéo découverte devait sortir depuis un petit moment. Mais si vous avez suivi l'actualité des chaînes, vous savez que je me suis retrouvée sans internet pendant un mois. Donc ça a été un petit peu compliqué de vous produire du contenu. Mais vous inquiétez pas, je suis de retour et on va rattraper tout ça. Donc on est de retour sur Return to Moria, voilà, de retour, Return, bref, allez, passons cette blague. Du coup, information importante, c'est un jeu qui est officiellement sorti, voilà, c'est pas une early access, il est officiellement sorti, il est fini, il est terminé, il restera tel que, il y aura des mises à jour, mais ce sera surtout pour stabiliser des bugs. Mais ne vous attendez pas à ce qu'il rajoute de nouvelles choses. Voilà, il est sorti. Je sais que certains apprécient les jeux finis. Donc là, vous allez être contents. Il est fini. Fini, fini. Il est sorti, fini. Il n'y a jamais eu d'early access. Comme précisé un petit peu avant, c'est un jeu d'aventure et de survie. Mais surtout, c'est un jeu qui peut être joué en solo ou en multi. Donc ça peut éventuellement être sympa si vous voulez jouer avec d'autres personnes. Si je dis pas de bêtises, on peut monter jusqu'à 8. Si je dis pas de bêtises, alors attendez, on va voir ça ensemble. Je vais créer un monde. Voilà, pour faire la vidéo avec vous. La vidéo découverte, on va aller sur un nouveau monde. Alors ouais, ben c'est bien, mais tous les mondes s'appellent monde de l'Azrath, il va falloir trouver une solution.
Meneria, voilà, nickel. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, c'est un jeu multi, mais vous pouvez aussi jouer seul. Donc, vous pouvez jouer hors ligne ou héberger une partie ou encore en rejoindre une autre. Donc, moi, j'ai joué hors ligne parce que malheureusement, je n'ai pas d'amis. Et quand on n'a pas d'amis, on mange des curly. Bref, bon, c'est vieux cette référence. non, c'est juste que pour la présentation de cette découverte, je vais jouer en solo, mais je l'ai déjà testé en multi et je peux déjà vous dire que il sera plus facile pour vous de jouer en multi qu'en solo. Mais je pense que ça, c'est une évidence. Ça sera plus facile, ça sera beaucoup plus simple. Nouvelle partie. Ah oui, mais je repars avec le même personnage. Bon, pour cette vidéo, on va partir avec un nain basique. Hop, voilà, on l'appelle Léonie, il est parfait, on sauvegarde, il est nickel. Donc là, j'ai mes deux nains, c'est parfait. Donc j'ai bien gardé mon nain. Donc on peut charger un monde, on peut créer un monde ou on peut rejoindre un monde alors. Pour rejoindre un monde, il faut la seed, donc la graine du monde pour pouvoir le rejoindre. Sinon, vous ne pouvez pas rejoindre comme ça. Ce qui est plutôt bien, comme ça vous évite d'avoir des inconnus qui viennent foutre le bordel sur votre partie. Donc on va charger un monde. Meneria, référence à Mineria, Minecraft, on est dans des mines, bref. Ah, j'ai plutôt bien choisi, je suis en train de me dire. Alors attendez, avant, je réfléchis. Est-ce que je peux faire une session en ligne? Voilà. Car je voudrais vous montrer le nombre de personnes que vous pouvez accueillir. Despite the king under the mountain's objection, Lord Gimli, Erebor will not support entering the Black Pit. If the king wants to stop us, he can come himself. Every attempt you've made has failed. This is a sign. No signs or kings are going to stop us. This is the time to reclaim Khazad-dûm. Today, we get into that mountain. Any luck? Nah, won't budge. Did you try speaking friend? Now, why didn't I think of that before? You did your best. On to plan B. Ah, finally. Plan B? Is that blasting fire? I'd stand back if I were you. This is madness! Gimli, you can't! We have to wait for Durin! Durin's not here. We have to do this ourselves. Maybe this will wake him up. Limin Barak! Limin Tagaz! Khazad Dashtin! Oh, no! Lord Gimli! This is another sign! Oh, hammer tongs! It's the fourth age! Nothing is going to stop us. You heard Lord Gimli? Let's go. Vous remarquerez que les naines ont de la barbe. Ça, c'est fidèle. Un truc où j'étais un petit peu déçue, peut-être que ça vous le fera pas à vous, mais lorsqu'ils parlent en nain, on ne sait pas exactement ce qu'ils disent. C'est dommage. Ça aurait été sympa de savoir à quoi correspond chaque mot. Alors, lors des temps de chargement, c'est traduit. Donc, si vous êtes fan du monde du Seigneur des Anneaux et vous avez un peu de temps à tuer. Que vous voulez vous faire un petit dictionnaire en langage nain, je vous en prie. Ou si vous l'avez déjà, tant mieux. Mais c'est vrai, c'est pas traduit. Du coup, on y va. On va démarrer avec un petit début chaotique. Je ne sais pas avec quel nain j'allais démarrer, ni sur quelle partie. Mais c'est bon, on y est. Je vais pouvoir vous faire une présentation en bonne et due forme.
Hop, voilà. Je trouve ma souris un peu sensible. Ouais, bon, il n'y a pas beaucoup de changements. Bref, je vais m'y habituer. Je peux allumer ça, mais ça servira pas grand-chose. Enfin, pour le moment, il faudrait quand même faire attention quand on est dans le noir. Eh ben, on est dans le noir, en fait. Hein, voilà, c'est tout. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Un passage, peut-être. Là, je vois que... Alors, oui. Si je dis pas de bêtises, il va falloir crafter. Alors, il y a un peu de l'or. Je vous laisserai découvrir de votre côté. Ouais, ça, c'est tout ce qui est construction, viande, etc. Il vous explique un peu plus. Du coup, on fabrique ceci. On fabrique ceci. Plan de construction, on verra plus tard. Voilà, c'est bon. Je suis en train de me remettre dans le bain. Vous inquiétez pas. Donc on creuse. Vous allez remarquer qu'à certains endroits, on va se retrouver face à des sortes d'éboulis, des zones que vous allez pouvoir creuser. Ne pas hésiter pour pouvoir passer de l'autre côté. Tac. Des champis, ça se mange. On se sert, on récupère tout. N'oublie pas, c'est un jeu de survie, donc il faut tout récupérer. vous allez en avoir besoin. Tac, tac. Champix. Voilà. Il y a encore des morceaux de bois. Yes. Je peux rien faire de ça? Non. Non. Bon, tant pis. Ah oui, il y a un autre truc. Est-ce que je peux vous le montrer? Oui, je peux. Sachez une chose. Presque tout le décor est destructible. C'est génial. Vous pouvez creuser, vous pouvez détruire, vous pouvez récupérer. C'est génial. Voilà. C'est un petit jeu, mais on est dans un monde modulable. Et ça, c'est cool. Ça, c'est super confortable. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les jeux de survie. Bon, après, ça peut se comprendre, hein, suivant l'univers et autres. On peut, parce qu'on est un nain. Puis on est dans les mines, il faut les reconstruire. À mon avis, c'est ce qu'ils veulent, hein, qu'on reconstruise les mines. Ah ! Arik. Ah, you from our camp? Thank the winds. I am Arik, son of Arak. Yours is the only friendly face here. What happened to the rest of camp? I cannot tell. Curse, ill curse, it blocks me. Could you search for a way out, and for any other survivors? I will search. You go east, see what you can find. I will fly to you when I can. Ok, nickel. Allez, première âme vivante. Des mines. Et on a de la chance, il veut pas mal notre mort. Car oui, vous avez vite remarqué que malheureusement, eh bien les autres créatures que l'on va rencontrer, elles sont moins sympathiques. Bizarrement. Hop, comme ça, ce sera parfait, ce sera mieux. Autre truc, je ne sais plus si je voulais préciser, mais en plus de pouvoir absolument tout détruire et reconstruire, la map est immense, voilà, vous allez avancer, et plus vous allez avancer, plus vous allez découvrir des salles, et vous allez vous rendre compte que la map est immense,
Et surtout, elle est procédurale. Ça veut dire qu'à chaque partie que vous allez faire, vous n'aurez pas exactement le même monde. Voilà, vous n'aurez pas exactement les mêmes salles, à part quelques-unes où vous allez avoir la même chose. C'est normal, c'est pour le scénar et pour l'histoire. Sinon, pour le reste, c'est procédural. Du coup, c'est cool. C'est sympa. Vous pouvez faire plusieurs parties et vous n'aurez jamais la même chose. Donc ça peut plaire. Du coup, rudimentaire, moi je veux une plateforme. Une magnifique et une belle plateforme. Hop, on va la faire comme ça, voilà. Donc, il faut qu'elle soit en contact avec une surface. On pourra la construire, sinon ça se fait pas dans le vide. Voilà, nickel. C'est bon, on est passé. Donc là, juste avant, ça, c'était pas procédural. Vous aurez tous exactement la même chose. C'est le tuto. Voilà, nickel. Et voilà, ici. Est-ce qu'il y a des trucs? Non, il n'y a rien. Je pourrais tout détruire pour récupérer du loot, mais ça va abîmer ma pioche, donc on fait attention quand même. Oh, les portes de Durin. Beaucoup de corps ici, hein. Il y a eu beaucoup de morts. Donc vous l'avez sûrement compris, derrière il y a toute la clique. Voilà, et on a un étrange nuage violet. On ne sait pas exactement ce que c'est, vous allez l'apprendre au fur et à mesure. Mais on ne sait pas exactement ce que c'est et ça embrume et... ça empoisonne absolument toutes les mines. Est-ce qu'il y aurait des trucs? Hop, on récupère un peu de bois. Non, il n'y a rien. Bon, il n'y a pas encore de choses planquées pour le moment. C'est normal, on est au début du jeu. Est-ce que je peux... Je sais, c'est cruel. Hein. Mais voilà. Fragment de métal. Détruire des corps. Yes. Et il n'y a pas de décor de nains. Parce que vous allez voir, on a une petite action quand on tombe sur le corps de l'un des nôtres. L'un des nôtres. Non. Allez, on avance. Sympa. Donc des orques. Bon, on savait hein, que les mines étaient contaminées par des créatures de la nuit. Je savais un petit peu. Hein. Bon, il n'y a pas que des orques. Malheureusement. Malheureusement. Ça m'a piqué un peu, vous allez voir au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce que l'on a là? Je fouille, je fouille. On a un truc derrière. Ouais, c'est ce que je voyais, voilà. Donc là, c'est le premier camp que vous allez avoir au tout début du jeu. Donc on va vite s'y installer. Mais après, on aura l'occasion d'en faire d'autres. De s'installer ailleurs pour avancer. Et ça, c'est important parce que plus vous allez avancer, et plus
Vous devrez emmener votre camp avec vous, sinon vous allez devoir faire un immense trajet à chaque fois. Bon. Alors, avant d'aller plus loin, on va aller voir le corbeau, Arik. Shadow cursed runes in Moria. Our path then must go east. Long journey. You must prepare. Up here, at that old dwarven camp. You're right. It's time to find shelter before making our way further. I will scout ahead. Stay alive. With luck, we will exit the Dimrill Gate. For now, we must face the long dark of Moria. Ok. Bon, on en apprend un peu plus. C'est la merde, vous l'avez compris. Pas besoin de vous faire un dessin. Ah, ça se récupère. Je sais qu'il y a des trucs dans l'eau aussi. Non, ça c'est juste un cadavre. Au pif. Je cherche... les corps de... des nôtres. Vous en avez parlé, ça serait cool d'en trouver. Qu'est-ce que l'on a là? Bon, toujours les corps d'humains ou d'orques. Rien d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'on a dans le coin? On va aller au camp, hein, vous inquiétez pas, mais j'essaie de récupérer un maximum de merdier pour ensuite après construire. Voilà. Est-ce que je peux péter ça? Yes. Je peux récupérer des cristaux aussi, voilà. Il y a des trucs assez rares et assez difficiles à obtenir si vous pétez pas certains éléments du décor. Bon, je reviendrai tout péter, vous inquiétez pas. Il me faut de la pierre. Ah! Ils sont barrés. Par contre, ils m'ont poursuivi. Ils m'ont traqué, les coquins. Les petits filous. On va faire attention parce que... ils sont un peu du genre à attaquer dans le dos. On va éviter... hein. Hop, des petits oignons. On va faire une petite cuisine, hein. On va faire une petite soupe. Petite soupe de champignons, oignons. Pas mal, ça. Et ça, c'est quoi? C'est de la mousse. Oh, ça, c'est des fruits. Voilà, une petite salade de fruits rouges en dessert, c'est parfait. C'est parfait. Du coup, allez. C'est bon, on a fini de voyager un peu partout, de papillonner. J'ai dit on a fini, hein, mais qu'est-ce que je fais? Non mais le jeu, il donne envie de découvrir aussi, d'explorer, et c'est le but. L'aventure, la découverte, l'exploration. C'est un petit peu pourri ici. Moi j'aurais peur de marcher sur le plancher là. On va faire attention parce que normalement c'est pas trop hostile mais faut pas trop s'en approcher en fait. Du coup, pierre, voilà. Oh, recule, 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 recule. T'es dans le feu, t'as perdu de la vie. Qu'est-ce que tu fais? Il est fou. Du coup, alors on va pouvoir se faire de la cuisine, ça va être important. Car on va avoir une jauge de faim. Alors on n'a qu'une jauge de faim, hein, pas de jauge de soif, enfin, qu'une jauge de faim. Et la cuisine va vous octroyer des bonus. Certaines recettes vont vous octroyer des boosts. Donc on dit jamais non. Voilà. Charbon. Ouais, je prends. Palette de charbon.
Je peux déposer? Non, c'est bon. Qu'est-ce que c'est ça? Je peux rien faire. Ça, je ne peux pas encore le faire. Il me faut un diamant noir. Ça sera les points de téléportation. Donc, je vous ai parlé un petit peu avant que vous allez faire plusieurs camps. Plus vous allez avancer et plus vous allez devoir faire d'autres camps. Parce que ça va commencer à devenir un enfer de faire des allers-retours entre l'endroit où vous êtes et votre dernier camp. Donc, le mieux, c'est de faire avancer le camp avec vous. Mais vous aurez aussi à certains endroits la possibilité de vous téléporter grâce à ça. Mais ça arrivera plus tard. Pas sûr de que je pourrai vous le montrer pendant cette vidéo. Parce qu'il faut quand même pas mal de temps de jeu avant d'en arriver là. Pas mal avancé. Je récupère de la pierre, ça va être important. Normalement, il y a un coffre, oui. Là, ça va être important, il nous faut une clé. Des archives. Blabla, j'ai trouvé un parchemin. Voilà, missionner 5 d'entre nous pour établir des avant-postes. Ok. Donc on en prend un peu plus. Voilà. Vous pouvez mettre la peau si vous souhaitez. Nickel. Qu'avons-nous là? Des peaux. Et des étoffes. Du coup, c'est l'heure du repas. Voilà. Et on refait remonter un petit peu notre barre de faim. C'est parfait. Je vais me faire des petits champignons farcis. Voilà, manger pour restaurer la santé, beaucoup d'énergie, bénéficier brièvement de l'effet satiété. Ça peut être sympa, ça. Du coup, eh bien, on va avancer. Quelle heure il est? Jour, on est le crépuscule. Donc, il serait peut-être plus judicieux de continuer à faire notre camp, de nous poser et faire un lit. Parce que la nuit, bien, comme vous pouvez le constater, il fait sombre. Il fait sombre de base, mais plus encore que d'habitude. Et vous avez plus de chances aussi de vous faire attaquer. Il y a plus de créatures hostiles. Du coup, une paillasse, si ça ne te dérange pas. Un lit de camp, voilà, un petit lit de fortune. Foyer de camp, c'est pas nécessaire, j'en ai déjà réparé un. Table repas non plus. On pourrait prendre un coffre en bois, ça pourrait être sympa. Hop, pour déposer le merdier. Les palettes aussi. Ça peut être intéressant. Alors moi je suis pas fan des palettes, parce que les palettes permettent de pouvoir stacker des éléments. Mais qu'un type d'élément, là, par exemple, vous voulez une palette de charbon, vous n'allez pouvoir stocker que le charbon. Vous voulez une palette de fer, vous n'allez pouvoir stocker que le fer. Que les coffres, ça a l'avantage de pouvoir tout stocker. Par contre, eh bien, les stacks sont un peu moins importants. Donc ça peut se remplir peut-être un peu plus vite. À vous de voir en fonction de comment vous appréciez jouer. Je pense qu'après ça, c'est très personnel. Est-ce que je peux mettre une torche ici? Ça pourrait être sympa. C'est un peu sombre. Torche murale. La conserve sur un mur, bah c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Tu fous de moi là? Voilà! Merci. Ok. Du coup, est-ce que je m'embête à faire ces fameuses palettes, ces coffres? Ouais, je vais le faire. Je vais le faire parce que ça va être important. Hop. Je vais pas déménager de sitôt. On va faire ça. Donc c'est plutôt dans artisanat. Donc palette de bois.
Il va falloir que je fasse attention parce qu'on va se faire attaquer aussi. Donc il faut vraiment faire attention. Palette de pierre. Quand on se fait attaquer, tout risque d'être détruit. Palette de charbon. Voilà. On dépose. Nickel. Tout déposé. Mais c'est vrai que je peux tout déposer. J'ai pas fait gaffe. Bref. Bon, on est pas mal. Est-ce que je vais dormir? Ou est-ce que je fais déjà une porte dès maintenant pour être tranquille? Comme j'ai dit, plutôt on risque de se faire attaquer. Et ça, dès le début. Donc on va éviter les problèmes, hein. Voilà. Voilà. Oh, ça devrait aller comme ça. Pas mal. Il y a un petit peu de courant d'air là. Il y a des trous. Oui, bon, écoutez, voilà. C'est des choses qui arrivent. Est-ce que je prépare de la nourriture à l'avance? Je pourrais faire du charbon aussi. Je me pourrais préparer de la nourriture à l'avance. Ouais. Ah oui, vous pouvez aussi préparer plusieurs repas. Plusieurs fois le même repas. Ça, c'est quand vous êtes plusieurs. Quand vous êtes là, hop, par exemple, je sais pas, faire brochette de légumes. Je vais en faire un, deux. Voilà, nickel. Et ça me permet de vous dire, grâce à ça, le nombre de joueurs que vous pouvez avoir sur votre session. Donc, si j'ai pas de bêtises, c'est 8. Je pense que c'est 10. Je crois que c'est 10. À revérifier. À revérifier. Bon, c'est pas mal, 8, hein, déjà. Bon, allez, on va se coucher. Donc là, ça c'est le point de respawn et on va se reposer. Voilà, je vous parlais que pendant les temps de chargement, vous allez avoir des mots nains avec la traduction dessous. Et on a de quoi manger, voilà, quand on s'éveille, on graille, on est bien. J'entends les gobelins et les orques parler là. Ne me rassure pas. Ça me rassure pas du tout. Bon, est-ce que je suis prête d'ailleurs? Est-ce que je suis prête à partir à l'aventure? Là, il me reste là comme ça. Inventaire. Ça comme ceci. Voilà. La nourriture ici. Ça va là. Je vais peut-être poser ça dans les coffres. Qu'est-ce que je peux fabriquer d'autre? Une hache improvisée. Ça peut être pas mal, ça. Surtout pour se défendre en plus. Une torche d'appoint. Ça, c'est pour les lancer. Petite torche qui peut être lancée. Ça peut être sympa, ça. On verra ça plus tard. Du coup, on a une pioche, on a une hache, on est bien. On est paré. Je dépose. Bon, merdier. Voilà. Ah, il y a un autre truc aussi que je viens de remarquer. On peut déposer des objets similaires. Ça peut être cool quand vous utilisez un coffre pour un type d'objet. Vous ne prenez pas la tête à tout sélectionner, vous faites juste déposer les objets similaires et puis voilà. Oh, ça peut être pas mal ça. Du coup, allez, let's go, c'est parti. Parce qu'on n'a pas beaucoup avancé. On a une demi-heure de jeu et on a juste fait le tuto et encore. On n'a pas fini. Ok, il y avait un gobelin. Ça, c'est de la viande. Y a rien ici. Hein. Ah si, là, regardez, il y a un truc là. Ça, c'est super important. J'espère qu'on va pouvoir le creuser. Ça, c'est du fer. Et on en a besoin. Ah, j'ai bloqué la palette de minerai de fer. Et après, on peut faire des lingots aussi.
Voilà, vous pouvez être un vrai petit nain après. Le fer, on prend. C'est grave important pour évoluer nos armes et nos outils. Allez. On n'a toujours pas exploré. Hein. On n'a toujours pas avancé. Je suis toujours début. C'est parce que je connais le jeu, donc je sais ce qu'il me faut dès maintenant. Voilà la différence entre l'année couverte et la post-découverte. Ok, c'est bon, j'ai tout. Je pourrais encore creuser, mais ça sert à rien, c'est que de la roche. Là. Donc on continue. Je t'ai raté, toi. T'inquiète, tout à l'heure, je te raterai pas. Alors, on a un coffre. A Muznakan to a family of old. I will return the missing figures. Honor. Donc ça, c'est un coffre familial, et dans chacun de ces coffres, une fois que vous avez ramené toutes les statuettes, vous allez pouvoir récupérer de l'équipement qui est plutôt intéressant, surtout des armures. Donc on ne dit pas non. Je crois des armes aussi. Donc il sera important de récupérer les statuettes, très important. Et il faudra bien fouiller. C'est ça qu'il est important de regarder partout. C'est pour ça que je regarde partout. Tiens, voilà, une statuette. Ça commence déjà. On n'a pas une autre. Des étoffes. Une autre statuette, mais ça va vite. J'avais galéré la première fois. Bon, après, je découvrais le jeu, donc je connaissais pas les bails, c'est tout. Qu'est-ce qu'on a là? On a des palettes avec du bois encore. Palettes avec du bois. Encore du bois. Il y a beaucoup de bois. Atelier de réparation. Ah, ça c'est intéressant. Mais il faudrait le réparer. Dommage qu'il soit là. Ça serait bien de l'avoir à côté de notre camp. Bon, vous allez tomber sur d'anciens camps ou d'anciennes parties de camps. Comme ça au fur et à mesure. Faudra pas forcément s'installer à chaque point, hein. Même si on vous le propose et autres, ça c'est pas forcément nécessaire ou intéressant, c'est à vous de voir. Comme je l'ai dit plus tôt, les maps sont procédurales, donc il faut garder ça en tête. Des fois... Ah, marteau en fer, j'ai pas encore. Des fois, c'est pas intéressant les zones qu'ils vous proposent. Il faudra qu'on revienne, parce que comme vous pouvez voir, on a des statues à reconstruire. Et pour avoir le marteau de fer, il faut avancer. D'où aussi l'importance d'avoir les points de téléportation. C'est parce qu'on va devoir revenir. Il y a un autre truc aussi que j'aimerais vous montrer. Est-ce que c'est là? Non, ils n'existent pas. Ben voilà, procédural. Normalement, là, ici, vous êtes... j'ai des cuves pour faire de la vinasse et autres. J'en ai pas sur cette partie. Elle aussi, il faudra, dès qu'on a la possibilité, les reconstruire. En gros, il faut tout refaire, tout reconstruire. Ramenez-vous là, bande de lâches. Je vais partir là-bas. Qu'est-ce que j'ai vu là? Un truc? Non, ça brille, c'est rien. Ok, un tonneau. Quiet. I see prey ahead. Qu'est-ce que c'est ça? Ok. Créature. Ok, là maintenant là, c'est cerf blanc. Ah, j'ai peut-être croisé un cerf blanc, je l'ai pas fait gaffe. Pioche, le peuple de Durin, la compagnie de Gimli, ressources.
Moria, ok. Nickel, tu m'embêtes plus, hein. Pour afficher les tutoriels. Pas un repas pour assurer votre santé, mais c'est déjà fait. Ah, cuisiner de la viande rôtie. Oui, j'ai cuisiné, mais pas de la viande. Ok, mais j'ai déjà récupéré ce qu'il fallait, donc on le fera plus tard. Manger les champignons. Comme ça? Genre, comme ça? Ok. Bon, le mieux, c'est de cuisiner, je vous le dis tout de suite. Ah, c'est parce qu'on a croisé un cerf, c'est pour ça que... Et montrer les infos. Bah alors, tu cours pas? Bon, bah écoutez, j'en profite. De la peau, en plus. Normalement, on peut pas les tuer comme ça, hein, ça galope vite. On explore. Je regarde la map, on arrive... Dans une nouvelle zone. Donc là, on a de la roche. Il va falloir creuser pour passer de l'autre côté. On va le faire maintenant. Attendez, j'ai une petite astuce. Ça, je l'ai fait dès le début. Parce que les mobs peuvent passer. Quand vous faites un trou, les mobs peuvent passer. Mais imaginons que vous voulez être en sécurité juste après, en passant la porte pour fuir. Vous essayez de creuser avec une légère hauteur et ils ne peuvent pas passer. En fait, voilà, c'est le principe de l'échelle. Ils sont débiles, ils peuvent pas passer. Ouais, je vous donne beaucoup d'astuces, je sais. J'espère que vous aimez vous faire spoil un peu. Bon, c'est pour bien débuter. On aime généralement bien débuter dans ce type de jeu. Voilà. Donc là, on revient vers le camp, là d'où on était. Alors j'ai vu du fer, je vais en profiter. Voilà, clairement, là on arrive sur un niveau de map où je n'ai absolument pas du tout la même chose sur l'autre partie. Du charbon, on prend. C'est utile, vous allez voir, après ce sera utile. D'ailleurs, si vous souhaitez en voir plus, je compte faire une session de live sur ce jeu. Mais ça ne sera pas sur cette partie, ça sera sur ma partie où je suis beaucoup plus avancée. Si vous êtes intéressé, vous voulez en voir plus, eh bien écoutez, je vous invite à me rejoindre en live sur Twitch. L'emploi du temps, le programme est donné. On pourrait aller voir quand est-ce que je stream sur le jeu. Nickel, voilà, ça c'est récupéré. Est-ce que je tente ça? C'est un peu costaud quand même. Aïe. Voilà, nickel. Inventaire plein. Non. Non, tu ne peux pas me faire ça. Non. Attendez, on va faire demi-tour. Déjà, dès maintenant. On va aussi poser les statuettes. Voilà, il en reste trois. Nickel, c'est bon, j'ai tout récupéré. Enfin, j'ai tout vidé pour pouvoir tout récupérer. Nickel. Paquetage d'exploration. Est-ce que c'est celui au-dessus qui a plus d'espace? On verra.
plus tard. On verra plus tard. Vestiges dispersés. Hop. Ah, ça y est, une dépouille de nain. C'est ce que je voulais vous montrer depuis le début. Voilà. Donc quand tu rends hommage à une dépouille de nain, tu récupères un bracelet de héros qui te permettra de pouvoir créer tout un tas de choses qui vont être utiles plus tard. Du coup, on avance. Je vais peut-être aussi vous montrer. Vous avez sûrement dû le remarquer, mais on peut chanter avec le nain. J'ai fait un trou comme ça alors que genre... Bon, bref. Alors que juste avant, je vous ai dit de ne pas le faire comme ça. Regardez, là, ils peuvent pas ça, en fait. C'est ça, le problème. Parfait, je vous montre un exemple. Eh, venez là, venez vous battre! Bande de faibles. Bon. Du coup, on avance. Je disais, je sais plus ce que je disais, j'ai oublié. C'est pas grave, ça arrive. Je fais attention à toi. On peut continuer par là. On peut aussi rejoindre par ici. Il y a un peu de métal là-haut, on pourrait le récupérer. Mais bon, après, on va en avoir plein, vous allez voir, ce ne sera pas forcément nécessaire. Ah, la nuit tombe. Intéressant. Voilà. Et là, on se retrouve ici. Très bien. Encore des rats. Toujours des rats. On va pouvoir avancer par ici. Il n'y a pas des statuettes d'ailleurs? Je dis pas non. Petite statuette là. Qu'est-ce qu'on a ici? Pas grand chose. Tombée de la nuit. Je pense qu'on va rentrer. On va se mettre safe. J'ai pas creusé là. J'ai pas. D'accord. J'ai pas rejoint cette partie. Très bien. Écoutez, hop. On va régler le problème rapidement. Ah oui, ça y est. Je me souviens de ce que je voulais vous dire. Là, je dis tellement de choses aussi. Vous avez sûrement dû le constater lorsque je commence à creuser des endroits où vous récoltez des ressources. Le nain se met à chantonner. En fait, vous pouvez carrément le faire chanter. Et c'est plutôt appréciable, en sachant que ben, on n'a pas beaucoup de musique dans le jeu. Un petit peu de musique d'ambiance, mais c'est tout. Bon, après, c'est un peu vide. Ce qui est pas un mal, hein, ça rend le jeu assez immersif, hein, finalement. Bon, on aime ou on n'aime pas, après. Bon, allez, je rentre au camp. Qu'est-ce que c'est, ça? Le vestige. Ok, allez, ferme la porte. Du coup... Voyez en pierre. On va faire de la viande rôtie, comme ça on va pouvoir avancer. Nickel. Ceci. Et est-ce que je peux faire autre chose? Par exemple, je peux reconstruire ça. Voilà. Donc on a débloqué le fourneau. On va pouvoir faire des lingots de fer. On ajoute du charbon. Et... on va pouvoir faire tous les lingots que l'on souhaite. Ça sera ensuite utile pour le reste. On a la forge, mais bon, bah du coup, bah, on attend les lingots. Je vais déposer mon merdier. Parfait, nickel. Donc là, on a
Petit bracelet. Je vais ramasser les statuettes. Ah oui, je les ai posées, pardon, autant pour moi. Je commençais à paniquer, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait des statuettes? Je suis devenue folle, ça y est, je fais n'importe quoi. On dépose tout. Voilà, nickel. Parfait, viande rôtie. Nom nom. Nom nom, prépare un repas. Tuto tériel terminé. Parfait, allez, on dort. Un repas copieux. Et j'ai pas eu le temps de lire la suite. Non, c'était pas la viande crue que je voulais. Porte ouest. Bah, c'est ici, là. Alors, attendez, on va avancer parce que je suis en train de détruire mes affaires. Allez, vous êtes pas trop agressif, ça va. Ça me convient. Ah, coup bloqué. Bon, le combat est assez facile. Les mobs sont pas trop compliqués pour le moment. Pour le moment. Après, il y en a certains qui sont un peu chiants. Vous allez le voir. C'est un peu casse-pied. Ah! Outil brisé, merde. Alors, attendez. Du coup, on est un peu dans la merde. J'aurais dû prévoir le coup. Putain, merde, vite, dépêche-toi. Ça, je le survie, hein, faut pas l'oublier. Oh. Aïe, j'ai pris un coup. Et ça y est. Youh. Mais écoutez, somme toute, ça aura été un petit peu intense, mais pas autant que ce que je pensais. Bon, la dernière fois, j'étais pas préparée, c'est tout. Madame, c'est tout, faut le dire. Il me conseille de dormir, mais pas tout de suite. D'ailleurs, je vais en profiter pour cuisiner. Ça, c'est cassé. Je peux pas réparer pour le moment. Ah si, il y a un truc pour réparer plus loin. Mais je crois qu'il me faut des outils spéciaux. Je vais la prendre avec moi, au cas où. Hop. Bracelet de héros. Voilà, on pose tout ça. Ça, c'est terminé. Voilà, fabriquer. Donc, on va pouvoir fabriquer enfin une épée, un bouclier et surtout la clé d'Ori. Déjà, on fait ça. Ah, si, je l'ai fabriqué. Qu'est-ce que tu me fais là? Attendez, j'ai déconné? Peut-être un peu. Hein. Voilà. Une épée. Et malheureusement, j'ai plus suffisamment de lingots de fer. Mais j'ai une épée. Donc on va pas cracher dessus. Hop, voilà. Tu fais ceci, tu ouvres cela, tu ouvres. Et tout ça pour juste un lingot de fer. Non, attends, c'est pas un lingot de fer. Attends. Ah, pardon, c'est là. Pff, oh non. Aveugle. Je suis aveugle. Je bug un peu des fois. Ça arrive, écoutez, que voulez-vous? De la nourriture, du charbon, on prend tout ça. Minerai de fer, je vais peut-être... fabriquer. Non, c'est vrai, j'ai pas assez. Mais par contre, j'ai des lingots de fer en plus. Du coup, je vais pouvoir fabriquer le bouclier.
Comme ceci, parfait. Je vais pouvoir changer les emplacements. Là, là, là. Parfait. C'est vrai qu'il y aura l'arc après. Donc il faudra que je mette le bouclier là. On verra ça plus tard. Pour l'instant, je garde cette nourriture là, la torche là. On est pas mal. Là, on est paré pour la défense. Je vais pouvoir péter des bouches. Et ça, c'est cool. Du coup, il me dit qu'il faut que j'aille miner le filon de fer. Oui, mais c'est déjà fait en fait, Michel. Je suis allée trop vite. Je suis allée trop vite. Zone de recherche. Ah, c'est bon, il l'a pris en compte. Entrée dans la grande zone de Dura. Zone de recherche, ok. Attends, ça va me faire chier. Ça attaque, ça. C'est chiant. Voilà. Meurs. Défiante. On va pouvoir faire des cultures aussi. Ça, c'est cool. Là, on commence à débloquer des choses, hein. Ça va vite. Je joue encore quelques minutes et après on va se laisser là. Je pense que je vous aurai montré le plus gros, l'essentiel et tout le tuto. Du coup, on va creuser par là. Il me dit zone de recherche, on va creuser par là. Mais il y a un autre truc là-bas qui reste quand même important. Je sais vers où on va aller si je vais vers là. Ok, je sais où on... Bon, on va aller sur le point jaune, puis après on va partir au niveau du point violet. Vous inquiétez pas. Et ensuite, on s'arrêtera là. Et si vous voulez en avoir plus, jouez de votre côté ou, eh bien, n'hésitez pas à me rejoindre en live pour en voir un peu plus. Alors, grande porte de machin chouette. Oui, mais du coup, il faut que je passe là. Très bien. Remonter là, toujours la technique. Et nous y voilà, non, pas encore. Ok, on va continuer. On regarde s'il n'y a pas des trucs intéressants à récupérer, à looter. Bon, pour en prendre du champi, hein, ça coûte rien. Ah, une statuette, cool. Voilà, faut chercher. Et nous voilà au niveau de l'entrée de la grande route de Durin. Et on retrouve Aric. To Durin's highway from there. Mines are close. Dig through. Find where to dig through. All right. I will find the right spot to dig a shortcut to the mines. I will see. T'inquiète pas. Je vais faire mine, mine, mine. Dig, dig, dig. T'inquiète. Pas de soucis. Ah, dommage que je peux pas récupérer. Des fois, il y a de la viande comme ça, mais on peut pas récupérer. Voilà, je vous le dis. Ne vous embêtez pas. Ah, on a des trucs. Marque du sorcier. Donc, runes de magicien. Les runes gravées ici n'ont rien d'une écriture naine. Ce sont les marques du magicien Tarkun, que la plupart connaissent sous le nom de Gandalf. Il a probablement laissé ces signes dans l'espoir qu'un nain les trouve durant sa traversée de la Moria. Traversée la Moria. Ouais, c'est un peu mal traduit. À la recherche de. Ah. Mais pourquoi? Quoi qu'il en soit, les marques de Gandalf pourraient bien contenir des indices sur ce qui se tapit dans les ténèbres de la Moria. Point, point, point. Ces runes ont été tracées par le sorcier Gandalf.
Une ombre malfaisante gangrène cette zone. Un sorcier recherche train. Voilà. On en apprend un peu plus sur tous ces maléfices. Je pourrais fouiller, mais il me semble qu'il n'y a pas grand-chose dans cette salle. Là, on est sur une salle assez similaire, complètement même, similaire à toutes les autres parties, hein, je vous le dis tout de suite. De l'ombre appuyée pour relire. Oui, oh, je sais, j'ai déjà lu. Alors, si vous vous posez la question, est-ce que aller dans le brouillard violet, ça crée des dégâts? Testez par vous-même. Voilà. Non, je vais vous répondre. Testez par vous-même. Ça va être fun, vous allez voir. Ça va être rigolo. Du coup, on est reparti et on va aller dans la zone à explorer. On va rusher un peu et après on se laissera là. Ok. On approche doucement, mais sûrement de l'objectif. J'ai pas tout exploré. Je vous le dis tout de suite, j'ai pas tout exploré. Mais je veux pouvoir finir cette vidéo maintenant. Et dans tous les cas, c'est pas la partie principale. Donc je m'en fous un peu. Voilà. Oh mais faut le dire. Ok. On y va, on rush. Ah, encore une dépouille de nain, on rend hommage. Voilà, on récupère. C'est important. Comment ça, tu peux pas... Bah si! Si, tu peux. Qu'est-ce que tu me fais là? Pourquoi tu ne peux pas? Vous savez quoi? Je vais lâcher ça. Voilà, hop. Ça prend de la place, ça sert à rien. Je vais pas la réparer d'aussitôt. Je suis pas assez devant, c'est trop tard. Et encore une fois, c'est pas la partie principale, donc je m'en moque un peu. Fragment de hache, oula! Calme-toi, calme tes ardeurs. Je sais que j'ai bon goût, mais quand même. Hop. Nickel. Ouais, j'ai plus de place, malheureusement. Du coup. Donc là, on arrive dans une zone assez importante. On a toujours le brouillard qui est ici. On va faire attention. J'avais pas de brouillard sur ma partie ici. Ah, c'est bien ce que je pense. Oui, les cuves de brassage, j'en avais parlé. Mais il faut un marteau en diamant. Donc il va falloir avancer, beaucoup avancer. J'en suis même pas là, hein, sur l'autre partie. J'ai pas encore de marteau en diamant. Pourtant, j'ai joué quelques heures. Donc, il va falloir pas mal avancer. Oui, fragment de hache, mais je cherche en fait. Oui, j'ai compris. En fait, je sais. Fragment de hache. Oula, là, la texture, elle n'a pas voulu. Là, un peu buggé. Faut pas lui en vouloir. Ça arrive de temps en temps. Enfin, c'est pas souvent que ça bug. C'est pas souvent, je vous le dis tout de suite. C'est rare. Ah, mais je le vois, le morceau de hache à proximité. Il est là-bas. C'est pour ça. Ceci explique cela. Alors attendez, il y a des gobelins, on va s'en débarrasser maintenant. Ah, vous fuyez plus là, hein? Vous êtes enfin décidé?
Voilà. Une attaque puissante, ça fait plus de dégâts. Mais par contre, on est plus vulnérable. Embêtant. C'est un petit peu embêtant. Coffre rapide. Est-ce que je peux faire un coffre rapide? Non, je sais pas ce qu'il faut. Bon, tant pis. Ouais, truc qui traîne, mais bon. Tant pis. Donc, zone de recherche. Donc on arrive au niveau de la zone de recherche. Et nous allons pouvoir poursuivre. Allez, je fais un gros trou comme ça. Hop, allez, 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 allez. Allez, on creuse. Et nous allons arriver sur la suite. Et là, on va quitter entièrement la partie tuto. Je vous le dis tout de suite. Donc toujours la marque du sorcier. Ces runes ont été tracées, voilà, blabla. La magie des elfes est puissante ici. Un sorcier recherche... Ah, toujours la même chose, toujours le même marquage. Du coup, on pète ça. Allez. Ça peut pas. Ah, si, ça y est, ça arrive. Voilà, un petit peu de morceaux de bois, on prend. Et nous voilà dans la zone que je voulais atteindre avec vous pour la fin de cette vidéo. Le quartier des elfes. Et voilà. Donc on va s'arrêter là. De nouvelles créatures, plus puissantes. Mais ça, on verra ça ensemble en live. Sur l'autre partie. Allez, c'est la fin. Je pense qu'on a tout vu. J'ai rien de plus à ajouter. Je vous laisse. Oula, j'ai... Ok, d'accord. J'ai... j'ai eu un succès. Bref. Je vous laisse. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos et de prochaines découvertes. Allez, des bisous, bye bye. Je m'en vais, je fuis.